nanya kutila na esika na ye ya kule oh shaster his holy place oh shaster 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 nanya kutila 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 oh shaster in his holy place oh shaster in his holy place. Bienvenue, chers internautes. Nous voulons vous remercier d'être avec nous ce matin. Et vous êtes au ministère international Manteau de Feu, où nous sommes la génération des élites et où nous faisons de vous des flammes de feu et des gouverneurs spirituels. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9, nous voulons passer un temps pour parler de la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Et cette prière est remplie de choses, de secrets et de mystères que nous voulons découvrir ensemble. Alléluia. Il nous est dit ici, et je me présente donc, c'est la révérente Jennifer Mwadi Amadashi, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il nous a appelés pour cette période afin de lever le corps du Christ et d'avoir une armée de guerriers spirituels. Car vous savez, nous avons les puissances de ce monde qui contrôlent les nations, qui contrôlent les populations. Mais sachez que quand vous êtes un gouverneur spirituel, vous avez la puissance de contrôler l'entourage, le gouvernement et la nation où vous êtes. Partout où personnellement je passe, quel que soit le pays où je descends, je prends une autorité spirituelle afin d'avoir un impact sur la direction du pays où je passe. Et je pense que nous avons chacun le droit de connaître qui nous sommes. Sachez que vous êtes en Jésus-Christ, car lui, il a dit, « Moi qui pars, je vous ai donné l'autorité. » Et avec cette autorité, nous avons le pouvoir et le droit d'exercer la parole de Dieu où nous allons, et d'amener la paix partout où nous passons, car il a dit que nous sommes la lumière et nous sommes le sel de la terre. Alors, chers frères, sœurs, compatriotes, sachez qu'il est important pour toi d'utiliser la lumière qui est en toi pour impacter ta génération, impacter ton environnement, impacter le territoire où tu vis, impacter la province ou la ville dans laquelle tu es. Alors, nous lisons dans le verset 9 de Matthieu 6, et il nous est dit, je vais changer de Bible, Matthieu 6, verset 9. Et c'est Jésus-Christ qui parle et dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Le Père, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu qui a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Il est le créateur du ciel et de la terre et il nous a donné la puissance et l'autorité parce que nous avons été créés à son image. Alléluia. Le Seigneur a fait de nous des êtres différents. Quand il a créé les montagnes, aussi géantes et magnifiques qu'elles sont, aussi immenses qu'elles sont, quand il a créé la montagne de Kilimandjaro, il avait dit « Ceci est bon ». Mais quand il a créé un être humain dans sa petite dimension, dans sa petite taille, dans ses faiblesses, il a dit « Ceci est très bon ». Donc sachez que l'homme, la femme, les hommes que nous sommes, nous avons été créés au-dessus de ce qui a été fait. Nous sommes la création par excellence, le chef-d'œuvre que le Seigneur Dieu a fait, au-dessus de tout ce qu'il a créé, nous sommes la plus belle pièce, nous sommes la pièce maîtresse, nous sommes un chef-d'œuvre. Même le plus petit enfant a une plus grande valeur que la montagne la plus immense, que les océans, que les univers entiers, car il a mis en nous quelque chose de spécial. Il a mis en nous le souffle de vie qui venait de lui-même. Il a mis en nous sa divinité, afin de faire de nous des petits dieux. Voilà. Alors, savoir que dans toute prière que nous faisons, nous voulons apprendre à prier, car dans ce ministère, c'est un ministère de prière et d'intercession. Nous voulons vous enseigner comment il faut prier de façon efficace.
Notre verset de base est dans le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 16, qui nous dit que Élie était un homme de nous. Et il a prié, et pendant 3 ans et demi, il n'y a plus eu de pluie dans le pays où il était. Et après, quand il a recommencé à prier, la pluie est revenue. C'est un homme qui était un gouverneur spirituel. Il a eu la capacité de bloquer la pluie pendant 3 ans et demi dans le pays où il vivait. Il a pu dire, à partir d'aujourd'hui, il ne pleuvra plus. Et la pluie s'est arrêtée. Et le jour où il s'est décidé que la pluie va recommencer à descendre, la pluie est descendue. Nous appelons la génération des Élie, des gouverneurs spirituels. Nous prenons autorité où que nous allons et nous changeons les choses. Comme il est dit en anglais, nous disons history maker et world changer. Nous, si vous êtes un ministère, que vous soyez quelqu'un qui change le monde, quelqu'un qui impacte votre génération où que vous soyez. Alors, notre prière en tant que gouverneur spirituel, c'est d'abord de rendre grâce à Dieu. Nous voulons que le nom de Dieu soit sanctifié, que le nom de Dieu soit révéré, que le nom de Dieu soit respecté. Alors, nous proclamons d'abord notre respect envers la parole divine, envers le Dieu qui nous a créés, envers le Dieu qui nous a donné une telle autorité et une telle position dans les cieux. Même les anges sont subservients, ils sont inférieurs à nous et ils ont été assignés comme nos gardes du corps, comme nos serviteurs, parce que Dieu nous a assis avec Christ dans les lieux célestes où nous avons une position différente des autres créatures et des autres choses qu'il a pu créer dans le monde, dans ce monde et dans les autres mondes. Alors, deuxièmement, nous disons que ton règne vienne. Alléluia. Et cela est un verset clé. C'est toujours dans le premier verset d'ailleurs. Il nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En tant que gouverneur spirituel, nous disons que la volonté de Dieu doit être faite sur la terre. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'intercesseur, je voulais dire, c'est que nous avons le devoir de faire venir le règne de Dieu sur terre. Nous voulons que de la même façon que les choses sont faites au ciel, elles soient aussi faites dans l'environnement où nous sommes. Nous savons qu'au ciel, il y a la paix. Alors, nous sommes des personnes qui font la paix de Dieu autour de nous. Là où nous amenons la paix. Où il y a la tristesse, nous amenons la tristesse. Où il y a la confusion, nous amenons l'ordre, nous amenons la sagesse. Donc, nous sommes des personnes, des individus qui avons la capacité de convertir les choses célestes pour les amener sur. Car il a dit à Adam que tu domineras sur cette terre, sur les choses qui sont sur la terre, sur les animaux et sur tous ceux qui existent. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu et en tant que chrétiens et en tant que ministre de la parole de Dieu, en tant que gouverneur spirituel, notre devoir est de régner et de dominer sur la terre avec une pleine autorité. Nous amenons un changement. Et je crois que pour ceux d'entre nous, beaucoup parmi nous, oh, Bozalanda, merci. Ma frère, ma soeur, ma bisou, tous les gens que par rapport à la situation où ils ont salama, ils ont la Congo, ils ont la Mboka place aux Ali, Nzambe a Pessio qui Konzi. Ils ont la capacité à de prendre cette autorité et de l'utiliser pour une transformation autour de ta vie. Il n'est pas normal que là où tu es, si tu es un enfant de Dieu, condamné, que tu sois opprimé, que tu sois persécuté, même si tu vis sur un territoire qui appartient à l'homme blanc ou dans un qui appartient aux Américains, tu as le droit de récupérer ta liberté, ton indépendance en décrétant des paroles et des choses qui vont transformer ton environnement afin que nul ni personne n'ait le droit de te déranger.
Tu as le droit de vivre où tu vis. Avoir un visa ne devrait pas être quelque chose qui demande à faire 40 jours de jeûne. Je ne pense pas. Mais c'est une question de connaître ta position en Christ et d'élever la voix et de saisir les secrets qui sont dans cette prière afin d'obtenir un changement dans ta vie. Alors, deuxième chose, il nous est dit au verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Une fois que tu as transmis des paroles et avec vérité, ayant toute assurance et toute confiance, si tu as la foi, tu dois avoir la confiance et l'assurance que tes paroles vont agir. Moi, quand je prononce des paroles pour changer mon environnement, je rentre en moi-même et en général, il y a une colère sainte qui vient en moi et je prononce des paroles et j'envoie mes paroles comme des messagers. Mes paroles sont des messagers que j'envoie pour exercer des choses dans l'atmosphère. Vous savez, capacité wanato pesakango mingina ba bah, guérisseurs, bah, féticheurs, nous pensons qu'ils ont un pouvoir, une capacité. Mais en fait, ils ont copié ce qui appartient aux enfants de Dieu et nous, nous les regardons impuissants. Alors, eux, ils envoient des paroles pour maudire, mais nous, nous avons la capacité d'envoyer nos paroles comme des messagers pour bénir notre environnement, pour bénir notre nation et pour amener des changements autour de nous. Voilà, nous voulons vous remercier pour aujourd'hui. Je disais, le troisième point, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il faut savoir comment demander à Dieu ta nourriture quotidienne. Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Il est capable et il a la volonté de nous donner notre pain quotidien. Ce n'est pas la volonté pour Dieu que tu vives sans avoir suffisamment d'argent pour manger quotidiennement. Où que tu sois, que ce soit à Kinshasa, à Brazzaville, à Pointe-Noire, au Kenya, en Belgique, en France, et n'importe où, dans quelque pays où tu es, le Seigneur, sa volonté, c'est que tu puisses avoir ton pain quotidien. Et cela ne demande pas des supplications, cela ne demande pas de mendier, mais c'est juste une question de connaître la parole de Dieu et de dire, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi mon pain pour ce jour. Et tu le dis avec foi. Et cela ne demande que... C'est une parole qui a juste combien? 4 ou 5 paroles. 4 ou 5 mots. Ça ne demande pas des prières et des jeûnes pendant 40 jours. Encore, je vous le dis, c'est une question de connaître les promesses de Dieu et de s'y attacher. Et nous allons nous arrêter au verset 12 qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Parce que les offenses, kozalakana kanda, avoir la rancune, avoir l'amertume, ce sont les choses qui peuvent te bloquer, toi en tant que gouverneur spirituel. Tu n'auras pas la capacité de pouvoir te défendre, tu ne pourras pas recevoir la réalisation des promesses de Dieu et tes paroles vont perdre leur efficacité si tu es d'amertume ou de rancune. Alors je vais vous demander de faire un examen de conscience. Soki oyebi kozana problème na muntu, est-ce qu'il y a un motif quelque part? Il faut faire un examen de conscience et avoir le courage yako telema et d'aller vers ton frère. Il est encore dit, toujours dans la parole de Dieu, il nous est dit que si tu sais que quelqu'un, nous sommes encore dans les livres de Matthieu 5 et 6, vous allez voir, il vous a dit, si tu sais que quelqu'un a un problème avec toi, avant d'amener ton offrande devant Dieu, il faut laisser ton offrande à côté de l'autel. Au moins, il quand a pas de offrande. Laisse ça d'abord là. Tu laisses ça au pied de l'autel, dans la maison de Dieu. Tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère. Après, aux ongelisusu, et puis tu donnes ton offrande. Parce que le pardon est une chose importante si tu veux avoir un impact et tu veux que tes paroles ont un impact autour de toi.
Peut-être que tu ne peux pas être en paix avec tout le monde. Certaines personnes ne veulent pas être en paix avec toi. Mais tant que toi, tu as fait ton possible pour être en bon terme avec eux, le reste est de leur responsabilité. Alors nous allons prier. Et tu vas dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-moi aujourd'hui à connaître ta parole et à être un gouverneur spirituel. Apprends-moi à marcher par la foi et que ma foi ait un impact sur ma génération, que ma foi puisse transformer les choses autour de moi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui sont en train de nous observer, de nous écouter en ce moment, si tu ne connais pas encore ton avenir par rapport à ta relation avec Dieu, si ta relation avec Dieu n'est pas claire, tu n'es pas sûr de où tu seras, si aujourd'hui tu devais mourir et tu ne sais pas exactement où est-ce que tu vas arriver, tu ne sais pas si tu es en bon terme avec Dieu, tu ne sais pas si Dieu t'accepterait, c'est le moment de venir et de dire à Dieu, Seigneur, je me repens, parce qu'il a dit que toute personne qui viendra à lui et qui se repentira, il lui pardonnera et lui donnera la vie éternelle. Alors, je vais te demander là où tu es, si tu veux du salut et t'assurer que, quel que soit le jour où Dieu te rappellera à lui, que tu puisses être préparé pour ayez là où la surprise t'est. Avant de faire cette prière, alors nous allons demander de fermer les yeux et de faire cette prière avec nous. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang précieux. Je reconnais que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité au troisième jour. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Si tu as fait cette prière, crois que tu es aujourd'hui un enfant de Dieu, car c'est la promesse de Dieu. Il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé quoi que ce soit. C'est un don gratuit qu'il accorde par sa grâce. Mais je te demanderai de trouver une église là où tu vis, une église qui croit en la parole de Dieu et de commencer à servir Dieu, car le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Mofim TV, et restons en contact. Nous serons encore avec vous pendant ce mois de décembre pour partager la parole de Dieu. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye bye.